je vous présente aujourd'hui un démaquillant naturel que j'aime beaucoup. C'est le démaquillant One Love Organique. Voilà la tête que ça a. Et je vais rapidement vous dire ce qu'il y a dedans pour vous donner envie. Alors, il y a de l'huile vierge de coco, de la cire d'abeille biologique, du beurre de mangue, de l'huile de chia biologique, cire d'écorce d'orange douce, de l'huile de gousse de vanille biologique et la vitamine E. Donc on peut l'utiliser pour plusieurs choses, notamment un peu en hydratant, pour le visage, pour les lèvres. Mais on l'utilise aussi en démaquillant. Et par contre, il y a deux solutions. Soit vous utilisez ça tout seul, et à ce moment-là, à la fin, ça va être compliqué pour finalement se débarrasser bien des impuretés au niveau des yeux, du mascara et tout, et il va rester un côté un peu gras sur la peau. À ce moment-là, je vous conseille d'utiliser en plus un nettoyant pour vraiment bien enlever ce côté gras. Soit vous utilisez une peau de chamois, et là ça marche super bien. Et voilà, là je vais vous faire la démonstration avec la peau de chamois, et à la fin vous n'avez pas de résidus, ça s'enlève voilà, complètement, et c'est génial. Alors j'en prélève donc une petite noisette, voilà, sur le visage. Donc l'avantage avec ce baume, c'est que du coup il est vraiment bien au niveau des yeux, il agresse pas du tout, ça pique pas les yeux, ça c'est vraiment top. Et il sent délicieusement bon la mangue. De la peau de chamois, et je vais me débarrasser donc du côté gras. Donc voilà, c'est humidifié et j'y vais. Je passe donc la serviette. Au niveau des yeux, voilà, donc là, vous voyez le résultat. Donc la peau de chamois, c'est extrêmement doux, c'est impressionnant. Moi, j'aurais jamais pensé utiliser une peau de chamois sur mon visage pour me démaquiller, mais c'est vrai que c'est super doux quoi. Donc là, j'insiste encore un peu sur les yeux. Je vous montre l'état de la serviette. Et ensuite, je vais finir par me rincer à l'eau. Donc je repasse encore une dernière fois au niveau des yeux. Voilà. Pour bien enlever. Et voilà. Je vous fais rapidement donc la démo avec le coton. Donc, sur la peau, bon, clairement, il n'y a rien du tout. Et au niveau des yeux, j'en ai deux. Et il y a encore une toute petite trace, mais ça y a, enfin voilà, il ne reste rien. Et normalement, il faut savoir que moi, je fais le double nettoyage, donc après, je vais utiliser un savon. Mais voilà, franchement, si vous n'avez pas trop beau nettoyer, enfin le double nettoyage, vous pouvez utiliser uniquement donc le baume. Et on a la peau qui est douce, qui tire pas, et voilà, qui est quand même propre. Et vous pouvez de toute façon parfaire après le démaquillage au niveau des yeux avec une petite lotion. Donc, les avantages de ce baume, bien sûr, c'est qu'il est naturel, il respecte super bien la peau, il pique pas les yeux. Par contre,
Si vous n'avez pas la serviette, ben là, ça va être plus compliqué. Et je sais pas si ça marche avec le mascara waterproof. Donc, c'est un nettoyant. Je trouve que, par exemple, l'huile démaquillante, malgré qu'elle me pique les yeux, elle est plus efficace. Et du coup, c'est plus rapide. Et c'est vrai qu'on n'a pas besoin d'une serviette, quoi. Voilà, là, il y a besoin de ça pour que ça marche vraiment bien. Mais bon, c'est quand même un très très bon produit. Et puis voilà, c'est une autre façon de se démaquiller. Donc, j'espère que ma petite revue vous a plu et je vous fais des bisous. Ciao !Assez chargé au niveau des yeux, notamment j'ai utilisé le Zeril de Benefit qui est quand même un mascara assez costaud, et du coup je vais vous faire la démonstration. Donc là c'est l'huile Sensai de Kanebo. Vous savez, cette huile je l'aime pas parce qu'elle a tendance à me piquer les yeux très très fort. Par contre c'est vrai qu'elle est super efficace. Voilà, donc je vais commencer la démo. Alors on attaque, j'attache mes cheveux et c'est parti. Donc l'huile, celle-là en fait j'en mets à peu près deux, enfin non, pas deux pompes, une pompe et demie. Voilà, elle est, alors faire attention parce qu'elle est assez liquide. Après je la mets bien comme ça dans mes mains. Et c'est parti. Donc au niveau des yeux, j'y vais tranquillement parce que là j'ai une bonne couche de mascara. Je trouve que voilà, le démaquillage à l'huile, c'est quand même la méthode qui est la plus efficace, surtout quand on a un maquillage quand même qui est bien chargé. Et voilà, l'huile arrive à bien dissoudre le mascara, le liner. Donc je vais un peu émulsionner avec de l'eau. Ensuite, sécher mon visage. Donc. Alors, le test du coton. Et donc, au niveau du teint. Donc, on a un coton blanc, et au niveau des yeux, donc on a une toute petite trace de, je ne sais pas si vous voyez, de mascara encore, mais c'est vraiment très léger parce que j'avais vraiment une bonne dose quand même de, voilà, de mascara. Et si j'avais essayé le lait, à mon avis, avec les autres produits et tout, ce serait pas aussi bien parti. Donc voilà, c'était la petite démo donc avec l'huile Sensai, mais en fait voilà, l'huile démaquillante en général. J'espère que ça vous a plu.
Donc là, j'ai le démaquillant Estéderm. Donc c'est un lait. Et donc c'est Osmo Clean, le démaquillant Hydra Ressourçant. Voilà. Donc je vais vous montrer son action. Alors, moi ce démaquillant, en fait, c'est un lait. Mais j'aime beaucoup finalement me démaquiller avec les doigts parce que le coton ça a tendance à irriter la peau. Et ce démaquillant, et ben voilà, j'utilise un peu comme une huile. Donc c'est parti, j'en mets. Et voilà, et en fait je vais faire vraiment comme une huile. Donc c'est très 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 doux. C'est très agréable. J'insiste bien sur les yeux parce que c'est là où il y a plus de choses, de mascara. Henri me pique pas trop les yeux sauf si j'insiste vraiment. Et notamment là en dessous des yeux où on a souvent. Voilà. Et maintenant que j'ai bien massé mon visage, je vais rincer. Alors, je vais commencer par émulsionner. Je vais continuer à masser surtout. Alors je trouve que le démaquillant c'est un petit peu moins efficace que l'huile, mais en fait il faut bien assister au niveau des yeux. Voilà, là j'ai émulsionné, maintenant je vais totalement rincer. Je sèche comme d'hab. Donc là en fait derrière, j'utilise pas de nettoyant pour vraiment tester les produits sans rien d'autre, juste le démaquillant. Donc maintenant, on va faire un petit test. Donc, je vais prendre un petit coton, je vais prendre donc ma lotion. Voilà. Et je vais donc passer, voilà, donc là au niveau du teint, donc le coton il est blanc, il n'y a rien. Par contre si je vais au niveau des yeux, donc là on a encore je sais pas si vous voyez, on a encore un peu de traces au niveau des yeux. Du coup, ce que je peux dire sur le démaquillant, donc moi à la base je suis pas adepte au lait parce que j'aime pas l'utiliser avec un coton, je préfère les huiles. Maintenant celui-là je l'utilise donc sans coton. D'ailleurs, c'est écrit derrière. Et je trouve que voilà, il est très agréable. C'est rafraîchissant, ça fait du bien, c'est doux. Ça dessèche pas la peau. Donc après, on a la peau douce. Donc ça c'est une méthode qui est vraiment très bien pour ma peau sensible. Et voilà, après, au niveau des yeux. Il faut pas trop frotter parce que au bout d'un moment ça risque de piquer. C'est pour ça qu'en fait on peut pas bien faire le tour des yeux. Donc c'est à la fin il reste quand même quelques traces que voilà on peut enlever après la lotion pour. Voilà, c'était ma petite démo avec le lait démaquillant de Institut Estéderm. Thank you.
Aujourd'hui, je reviens pour faire la démonstration du démaquillage avec un produit de chez Aurelia Probiotique et qui se présente sous forme de crème qui est super onctueuse. Donc, je vous montre rapidement le produit. Et notamment, c'est livré avec une petite mousseline. Et j'avoue que c'était tellement mignon que, en fait, je ne l'ai jamais utilisé. Et j'utilise uniquement mes mimines et je trouve que ça suffit. Alors, juste rapidement, je vous dis, notamment, ce produit, donc c'est très onctueux et ça sent la nature, ça sent super bon. Notamment, la note la plus forte, c'est l'eucalyptus. Mais il y a aussi de la camomille, de la bergamote et je crois, oui, et il y a aussi du romarin. Donc, je vous fais la démonstration, je m'attache comme d'habitude les cheveux. Et alors, je vous montre un peu la texture. Voilà, donc c'est un produit que j'utilise pas tout le temps parce que pour moi c'est un peu un produit bon déjà qui est onéreux et du coup c'est plus un plaisir. Pour, j'utilise pas voilà, quotidiennement, j'utilise de temps en temps parce que je trouve que les odeurs d'eucalyptus et tout c'est un moment détente et voilà. Alors, donc j'en ai mis et je me masse le visage. Donc voilà, c'est sous une forme de crème assez... à la fois, on sent qu'elle est épaisse et elle a un côté un peu... comment dire... Un peu... comment ça s'appelle ? Je réfléchis au mot pendant que je me démaquille. Le produit qu'on mange, le fromage blanc, voilà. Ça fait penser un peu à ce côté fromage blanc. Alors, il faut faire un peu attention quand même au niveau des yeux. Parce que bon, il y a de l'eucalyptus et ça a quand même tendance un peu à faire waouh au niveau des yeux. Mais ça donne, en fait, quand on se masse avec... Ça donne un côté frais et voilà, l'eucalyptus là, ça débouche le nez. Donc, c'est relaxant. Donc, je vais me rincer à l'eau chaude. Donc voilà, je me suis rincée à l'eau. Et donc en me rinçant, j'ai bien malaxé le visage, j'ai incité au niveau des yeux pour vraiment que tout parte. Et je m'essuie. Donc c'est un nettoyant que j'aime bien parce que derrière il laisse vraiment la peau douce. Et celui-là, contrairement aux autres... En fait, je ne vais pas utiliser un autre nettoyant derrière parce que ben, du coup, je me dis que c'est pas mal de le laisser. Comme je ne vous ai pas dit, mais il y a des probiotiques dans ce démaquillant. Et voilà, du coup, je me dis que ben, ma peau, elle en profite encore. Donc, voilà, c'est... C'est vraiment très agréable. Alors maintenant, je vais faire le fameux test du coton. Alors, voilà, je pulvérise. Alors, niveau du visage, du teint. Voilà, donc je vous montre. Voilà. Et au niveau des yeux, donc voilà, on a encore une légère trace de mascara. Donc
je parfais en fait mon démaquillage avec la petite lotion. Je pense que c'est un démaquillant, voilà, qui ne va pas marcher aussi bien que l'huile, et quand on a un maquillage chargé, je ne sais pas si c'est aussi efficace, et je n'ai pas du tout testé son action sur le maquillage waterproof, donc ça je peux pas vous dire. Franchement, moi je l'utilise donc oui, quand j'ai envie de me faire plaisir. Je l'utilise quand j'ai un maquillage qui, ça va, qui est pas trop chargé au niveau des yeux. Et aussi, j'aime bien l'utiliser le matin, donc juste pour après la nuit, le matin, me rafraîchir à nouveau le visage, nettoyer, enlever rien, un peu le sébum de la nuit, et me donner un petit coup de frais. Voilà. Donc j'espère que que cette vidéo vous a plu, et je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Ciao !